Hello tout le monde et bienvenue dans Skyrim Mode. Aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement Cerberus, donc le flingue qui appartient à Vincent Valentine de Final Fantasy VII. Et comme vous pouvez le remarquer, il fait quand même pas mal de dégâts alors que je ne suis absolument pas au maximum de la puissance qu'on peut obtenir dans Skyrim au niveau des armes à une main. Donc vous pouvez encore la rendre bien plus puissante de base, puis encore l'améliorer évidemment aux ateliers. Comme vous connaissez, ce sont les améliorations dans Skyrim. Hein. Donc vous aurez besoin de 2 lingots d'acier, 2 petits bois, une ferraille Dwemer et 2 lingots d'argent afin de tout simplement crafter ce flingue tout simplement. Et on va bientôt partir tout simplement le tester afin que vous vous rendiez compte un petit peu de l'efficacité et comment on utilise tout simplement ce flingue qui est très très bien modélisé par la même occasion. Hein, je vous le dis comme ça, il est très bien foutu. Par contre, au niveau de l'animation, donc de l'arme, évidemment c'est pas super bien foutu vu que Skyrim n'est pas vraiment prévu pour avoir des armes à feu. Bah regardez, voilà, je vais tirer, voilà, vous voyez, c'est pas super bien fait. Mais bon, hein, si on a vraiment envie d'avoir une arme tout simplement à feu dans Skyrim, faut bien s'attendre à avoir un truc du style. Hein. Bon, maintenant je vais faire apparaître donc un mob et je vais bientôt vous montrer tout simplement l'efficacité de ce flingue afin que vous puissiez évidemment vous rendre compte plus exactement de la puissance de ce flingue en n'oubliant pas que vous pouvez le rendre bien plus puissant que ça. Bien évidemment, allez hop, c'est parti. Vas-y, ouverture de la porte, et bam! Donc là, bon, merde, ça bug un petit peu. Mais vous avez le troisième coup, quatrième coup, cinquième coup, et le machin est mort. Alors, il faut savoir que ce machin, c'est pas non plus super résistant, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on l'utilisait. Et par contre, c'est vrai que gros défaut de ce truc, c'est vrai qu'il faut vraiment utiliser le petit viseur pour pouvoir viser. Et ça, c'est pas du tout pratique, quoi. Vraiment, c'est pas du tout pratique. Alors j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que vous abonnerez à la chaîne, laissez un petit j'aime et puis allez voir les autres modes que j'ai présentés dans la playlist, c'est dans la description. Allez, à plus tout le monde et à la prochaine. Ciao. Hello mes petits haricots avec de gros biscottos. On se retrouve sur Minecraft pour faire une partie en mode hardcore. Et oui.